Non, mais quand t'as Henry Cavill dans ton pieu, qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Non, mais sérieusement, tu veux quoi de plus pour être heureuse? Travailler pour être une femme active épanouie? Ça va ou quoi? Non, pas le temps? Il y a Henry Cavill en érection qui m'attend. Voir mes amis? Non, rien à foutre, j'ai plus d'amis. Il y a Henry Cavill en érection qui m'attend. Mais rien, rien, rien. Il n'y a rien de mieux que Henry Cavill en érection dans mon pieu sur cette terre. Non, mais là, on est dans le top du top de l'ultra top de chez Topissime. Mais oui, c'est l'alpha et l'oméga, c'est la tartine et le Nutella, c'est la crème de la crème, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la teub sur le clito. C'est ça la gadou, la menchikabou, la bidibobidibou. Salam alaikum. Oui, je vais bien, pourquoi? Non, je vais pas bien du tout, ma vie est foutue à cause de lui. Eh oui, mais il n'y a aucun mec qui lui arrive à la chenille. Mais comment voulez-vous que je sois heureuse avec un mec lambda, sachant que Henry Cavill est là, quelque part, tout beau, tout chaud, tout nu, tout poilu, tout dur, tout moite, en train de me regarder et de me dire, par télépathie, Nadia. La baisse, Habiba. Alhamdulillah. Nadia, I love you. Mais sans vouloir te manquer de respect, je vais te défoncer. Ah oui, 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 mais si, si, mon point de respect, Henry, mais j'attends que ça, bébé. Henry, dis-moi oui. Sherry, oh, 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 mon Dieu, elle n'en peut plus. Oh là là. Oh. Non, 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 non. Si, si, si. Voilà. Non, mais... Mais enfin, bébé, mais attends, on n'est pas tout seul, il y a du monde. Ouais, t'as raison, on s'en fout, donc on ferme les yeux. Voici quelques arguments en faveur du, je cite, petit chemin qui sent la noisette. Voilà. Faudra que j'aille vérifier cette info la prochaine fois que j'irai. Enfin, moi perso, j'ai plutôt l'impression que le caca ça sent la merde. Hein. Non, mais je peux me tromper, hein. Et puis c'est chic, non mais. Sérieusement, vous m'imaginez au pieu. Allez, viens, mon amour. Viens me prendre le petit chemin qui sent la noisette. Et bon appétit. Mais si, c'est comme le Nutella, c'est pareil. Allez, viens me bouffer le cul et dépêche-toi. Hop, hop, hop. Alors, je suis navrée pour ce que je viens de dire. Parce que j'ai parfaitement conscience qu'à partir de maintenant, vous ne pourrez plus jamais manger ou regarder un poulet là sans penser à moi. Eh ben, disons que c'est ma petite contribution pour stopper la déforestation dans le monde. Et par extension, pour protéger tous les animaux de la planète qui meurent des conséquences de la déforestation. Parce que certains adorent bouffer des fions fourrés à l'huile de palme. Roman Polanski, ça me va aussi. Ah oui, oui, j'aime bien les petits vieux qui donnent leur chance aux jeunes. Oui, bon, alors, ok, je suis plus très jeune. Mais avec un coussin sur ma tête et une épilation intégrale du pubis, ben, je peux facilement faire 12 ou 13 ans. Hein.
Si, si, il y verra que du feu. Hein. Suffit d'avoir un petit peu d'imagination. C'est son métier d'avoir de l'imagination. Un pubis de préadolescente avec des seins de playmate. Mais c'est le rêve pour un producteur. Et en plus, depuis que je me suis coupé les cheveux, tout le monde me dit que ça me rajeunit à fond. Bah, ça se trouve, je peux même faire 6-7 ans. Hein. Et le mec, il m'a trompé et il pense qu'avec des roses... Ah, merci, c'est trop gentil, mon amour. Vivons la prochaine fois. Hein. Ouais, bah, bientôt, je vais pouvoir avoir une boutique. Hein. Ah, si on m'avait dit quand je te rencontrais que j'allais devenir fleuriste, j'aurais pas cru. Mais excuse-moi, mon amour, pour ton information, sache qu'un mec qui rentre du bureau à 20h et quand il ouvre sa braguette, ça pue l'eau de Javel et le savon de Marseille. C'est qu'il a fait une connerie. Non mais, ne me la fais pas à moi celle-là, hein, s'il te plaît. Hein. Je l'ai faite avant toi. La couronne, la palme d'or, revient incontestablement à Julius Caesarus, dictateur libertin romain, connu pour son amour immodéré pour la Gaule. Mes points forts, ménage, repassage, vaisselle, cuisine, peinture, bricolage, mécanique, plomberie, même pieds et poings liés et dans le noir. Mon petit plus, je ne parle pas. Même sous la torture. Oui, je suis surentraînée. Ouais, mais moi je peux pas mettre ça, je suis allergique au latex. Ça me fait gonfler. Ouais? Ah, bah écoute, elle a l'air plutôt sympa ton allergie. Mais attends, moi, c'est pas ma taille ça, je vais être trop serrée là-dedans. Oh non, t'inquiète pas, non. Tu vas être très à l'aise. Ah si, si, faut même rentrer à deux dedans. Alors moi, je peux pas avoir de MST, je suis stérile. Je l'ai pas inventé, hein. Ouais, ouais, bah, en effet, vaut mieux pas que tu te reproduises, hein. Hey, il y a une catégorie aussi, qui est pas mal dans le genre. Le dur à jouir. Oui, une barque. Avec les dents. Avec deux rats. Vous êtes comme ça, les mecs. Pour compliquer la chose, c'est déjà pas facile pour lui, le pauvre. En plus, il a contre-courant, le gars. GPS, boussole, il connaît pas. Pékin Express. Parce que lui, il veut y arriver, hein. C'est sa mission, c'est son but ultime. Il la veut, sa médaille d'or, il la veut, sa place sur le podium. Il est capable de se faire péter la débris pour y arriver. Son sperme et manger la mixture. Ouais, bah ouais, mais c'est pas moi qui l'ai inventé le rituel. Hein. Ça aurait pu être pire, hein, il aurait pu me demander de récupérer un œil, une main, une couille et de les bouffer. Je l'aurais fait. On reconnaissait tout de suite ceux qui avaient trop joué à la PlayStation quand ils étaient gamins. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il est en train de me reprogrammer ou quoi? Hein? Et il est en train de me rentrer un code secret, il n'y a plus personne qui pourra entrer après lui, mais il est fou! Mais vas-y, dégage! Enculé! C'est simple, je sais même pas où j'ai réussi à la caser. Non mais,
Là, à l'heure où je vous parle, j'ai l'impression que j'ai l'utérus entre les poumons. Hein. Franchement, moi, cache-cache, ça n'a jamais été mon jeu érotique préféré. Hein. Ouais, elle est là, elle est plus là, elle est là, elle est plus là, elle est 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 là. Non, mais sérieusement, là, vous pouvez pas vous imaginer tout ce que je fais par amour pour lui. Cet homme, je l'aime tellement que j'ai sucé tous ses potes. Tous. Ouais, là. Mais pour qu'il lui raconte que du bien de moi. Non, mais ça marche, hein. Bah, essayez, hein, vous verrez.